merci d'être venu. Je vais simplement vous poser une première petite question. Comment avez-vous connu la conférence? Hier? Alors, par le probablement de ma part, par la liste du 31, si vous êtes abonné dessus. Il y a une liste de discussion spéciale généalogie 31. Non? Alors, si vous n'êtes que sur le GMT, alors ça veut dire que quelqu'un de la liste 31 a fait le relais. Donc, voilà. Bon, d'accord. Non, bah, c'était pour information pour moi, pour voir comment la communication avait pu se faire. Donc le GMT a été prévenu. Voilà. D'accord. Donc le GMT a été prévenu. Donc je vous demanderai, dans la mesure du possible, de remercier les personnes qui ont fait le relais, parce que le GMT, j'avais pas l'entrée. Hein? Voilà. Oui, je n'étais pas abonné à la liste GMT, donc je ne pouvais pas faire. Donc je vous demande de remercier fortement les personnes qui l'ont fait. Voilà. Alors la grammaire Gedcom, bon, il y en a qui disent qu'elle est périmée. Moi, je dis non, elle n'est pas périmée. Il faut l'utiliser à fond comme elle existe. Alors la norme GEDCOM, c'est une norme de fait, hein, ce n'est pas une norme au sens de l'ISO, je ne sais pas combien. Hein, c'est une norme de fait, pourquoi? Parce que tout le monde a accepté de l'utiliser. Alors évidemment, il y a des louvoiements dans la façon de l'utiliser et de l'interpréter. Et c'est là que se posent souvent les problèmes de transfert de fichiers GEDCOM d'un logiciel à l'autre parce que les règles ne sont pas strictement respectées. Hein. Alors, la grammaire GEDCOM, elle a été créée par les Mormons dans les années 84, je crois, dans ces eaux-là. Et donc, ce sont des Américains. Donc, automatiquement, ça veut dire qu'ils ont travaillé pour eux d'abord. Et par conséquent, il y a des éléments, des tags qui manquent à notre esprit européen. Il y a des tags qui manquent, et ça, c'est vrai. Hein? Mais si la grammaire est tellement riche qu'on peut contourner ce problème. Hein? Le fichier GEDCOM est un fichier texte. Il est ordonné. Donc, ça veut dire que les images, elles ne peuvent pas être dans le fichier texte, mais elles sont référencées avec un lien. Donc, on peut très bien mettre des images dans un fichier GEDCOM, mais par une référence à cette image. Il y en a qui disent, oui, on pourrait faire ça en XML. Parce que XML, c'est quoi? C'est un fichier texte ordonné aussi. Alors, on peut mettre l'image dedans, c'est vrai, c'est possible, mais c'est absolument pas lisible par un œil humain. Donc, ça sert à rien. Un individu qui passerait par tous les étapes possibles, inimaginables de la norme GEDCOM avec l'individu, un mariage, un enfant et les deux parents, cet individu qui passe par tous les états, c'est-à-dire il change de religion, il déménage à l'autre bout de la terre, chose comme ça, il peut générer 7000 lignes. Alors c'est énorme. Nous, en général, quand on utilise 300, je vais vous dire, on a déjà pas mal d'informations sur cet individu. Hein? Donc, c'est bien pour dire que la norme, si on l'exploitait à fond, on pourrait vraiment en faire quelque chose. La structure du GEDCOM, c'est des identités
Donc, vous avez l'identité individu, tout ce qui concerne l'individu. Hein, sont que des éléments individuels. Ce n'est pas le mariage. Le mariage, il fait partie de la famille. Hein. Donc, c'est des éléments différents. La source, bon, et ben, c'est le document que vous utilisez réellement. Hein. Le repos, c'est repository. J'espère que j'ai pas dit une bêtise, mais c'est ça. Hein, c'est le dépôt d'archives, hein, c'est tout bête. Et les notes, parce que les notes peuvent être communes à plusieurs individus ou plusieurs événements. C'est possible. Hein, ce n'est pas interdit par la norme. On va parler un petit peu de l'individu. Alors, en général, bon, vous avez la naissance, birth, CHR ou baptême pour les événements religieux. Il y en a d'autres. Il n'y en a qu'un qui n'existe pas. C'est la communion solennelle. Hein, le renouvellement des promesses du baptême, ça n'y est pas. Dans ce cas-là, on crée un événement et on indique le type. Et on peut. Et c'est un des premiers contournements des manques. Ça, on peut très bien y arriver à rentrer toutes les informations de notre généalogie dans cet individu. Bon, je parlais donc de la naissance, le décès, le numéro de sécurité sociale. Burry, c'est le lieu d'inhumation. Le nombre d'enfants et le nombre de mariages. Donc, on voit qu'on a quand même pas mal de choses. Sources. J'ai mis deux sortes de sources. Il peut y avoir des sources qui vont être vraiment uniques, utilisées qu'une seule fois, ce qui ne sera jamais le cas, par exemple, d'un acte de mariage. Un acte de mariage, il peut être utilisé 10 fois. Oui ? 10 fois, le conjoint, la mariée, les parents de chaque côté, ça fait 6, plus les témoins, ça fait 10. Donc, on peut utiliser 10 fois, le même acte de mariage peut nous servir 10 fois. Hein? Donc, dans ces cas-là, on crée une source liée. C'est l'indice de confiance qu'on donne à la source. Hein? Est-ce qu'elle est vraiment fiable? Parce que quelquefois, ça nous arrive, on a des sources, et puis on se dit, bon, ouais, peut-être pas. Hein. C'est un chiffre ou c'est... Pardon ? C'est un mot ou c'est un chiffre attendu pour la confiance ? C'est un chiffre. Je crois que c'est une échelle de 5. Hein. Objet. On peut introduire le lien vers une image. Ça devient un objet. Alors, le titre, c'est vraiment le nom que vous, personnellement, vous donnez à cette image. Hein? Et en dessous, on a le file, donc, qui est le chemin pour accéder au fichier. Hein? Donc, on a bien la source. Alors, en général, moi, ce que je recommande personnellement, c'est de faire le fichier GEDCOM dans ce que je vais appeler la racine et dans cette racine, je crée un dossier images dans lequel je mets toutes mes images, alors ordonnées comme vous en avez envie. Hein. Mais ce qui fait que lorsque vous transférez votre fichier GEDCOM, ben vous transférez et le fichier GEDCOM et le dossier images. Et comme ça, votre correspondant, il a exactement la même chose que vous. Hein. Format, bon, c'est pour la nature du fichier. Alors, il peut être en PDF. Hein. Ce n'est pas interdit. Hein. La famille, ben, tout ce qui concerne la famille. Hein, donc, vous avez husband, le mari, wife, la femme, puis child, les enfants. Hein. Alors, à chaque fois, comme c'est une structure indentée, c'est des renvois à tel individu.
Hein. Alors, en Gade, c'est... Ah ben tiens, j'ai pas pris ma feuille, bien. C'est... Engagement, c'est donc les promesses de mariage. Puis vous avez différents types de mariage. Et puis le divorce. Alors, divorce F, c'est la demande de divorce. Et divorce, c'est le jour où c'est prononcé. Hein. Alors, il y a différents types au niveau du mariage. Je suis désolé, je n'ai pas pris ma feuille. Donc, je voulais donner exactement ce que c'était, mais là, je ne l'ai pas. La structure de la source. Il y a plusieurs mariages. Disons, il y a plusieurs façons de voir le mariage. Oui, vous pouvez en avoir plusieurs. Hein, pour un individu, avoir plusieurs mariages. Ça, il n'y a pas de problème. Hein, c'est même très, très courant, surtout aujourd'hui. Mais c'est très courant. Mais même dans l'ancien temps, parce que quand l'un des deux conjoints décédait, il avait intérêt à se remarier le plus rapidement possible. Donc, des mariages 2, 3, 4, c'est ordinaire. Hein. La source. Alors, la source, c'est une donnée. Elle peut être liée ou unique, ce que j'ai dit tout à l'heure. Liée, ça veut dire qu'elle va resservir à plusieurs. L'acte de mariage, par exemple, c'est une source que je vous conseille de faire en lié. Et donc, là, vous avez les différents éléments. Hein, la donnée, qui est divisé en événements, quel événement est concerné par le registre ou par l'acte, les dates, la place, c'est le lieu, hein, la place. L'autorité qui a rédigé l'acte, la nature de l'acte, éventuellement un objet, donc une image, et toujours, en général, le repos, qui est un renvoi au dépôt d'archives, sachant que nous-mêmes, nous pouvons être dépôt d'archives. Hein, si on a des documents de famille, ils sont nulle part, c'est nous le dépôt. Hein. Et pour être un peu plus complet, on a la cote du document qui apparaît sous repos. Et le MEDI, c'est le média sur lequel vous avez l'information. Hein. Le repos, alors lui, bon, ben, il est très succinct. Hein. Donc, c'est les références du dépôt d'archives. Hein. Donc, son nom, son adresse, les différents éléments qui peuvent nous être utiles. Alors, les logiciels qui respectent au pied de la lettre la norme et qui, bizarrement, vous allez me dire, ouais, vous n'avez pas mis R10, parce que je sais qu'ici, c'est surtout R10 que vous utilisez. Hein, la France, elle est coupée en deux, hein, au niveau de la Loire. Hein, Génétique au nord, R10 au sud. Ça s'est fait comme ça, mais c'est à peu près la géographie qu'il y a. Hein. Donc, oui, pourquoi ? Parce que R10 ne respecte pas la norme au pied de la lettre. Il fait des louvoiements, oui. Le logiciel de Homol, est-ce qu'il le respecte ? Alors, non, il ne le respectait pas non plus. Ça a été une surprise pour moi, c'est que lui aussi, il ne respectait pas la norme. Mais il ne la respectait pas. Alors, bizarrement, les logiciels que je vous ai donnés là sont tous des logiciels libres. C'est bizarre. Hein? Alors, Lifeline, je ne vous le recommanderais pas, hein, parce que c'est basé sur un langage qu'on appelle LaTeX. Donc, ce n'est pas à portée de tout le monde. Et là, il faut connaître la grammaire un petit peu sur les bouts des doigts. Je vous dis tout de suite... C'est pas pour moi non plus. Genji, c'est un logiciel qui a un suivi un peu aléatoire, malheureusement. GeneWeb, je l'ai mis
Pourquoi ? Parce qu'il respecte la norme, malgré son défaut de ne pas avoir de sortie imprimée. GeneWeb, c'est le logiciel qui est actuellement maintenu par Geneanet. Hein ? Et Ancestris. Gramps, qui est un logiciel libre aussi, ne respecte pas non plus au pied de la lettre la norme GEDCOM. Hein ? Pardon ? Ah non, Geneatic, c'est pareil, hein, y a des problèmes. Hein. Ce n'est pas les mêmes qui résistent, hein, je vais vous le dire, hein, ce n'est pas les mêmes. D'ailleurs, pour dire un petit peu juste à quel point Eredis était un peu dans les sous, je ne sais pas si c'est encore vrai aujourd'hui, je tiens à le préciser. Hein. Il y a quelques années, on lui avait demandé de sortir un GEDCOM, il l'avait fait, on avait fermé Eredis, on avait rouvert Eredis et on lui avait dit « Ouvre le fichier GEDCOM ». Ploup, ploup. Il n'a pas été capable de relire son travail. Donc, je dis « Bonjour, la conformité des données hein, ». Si tu n'es pas capable de te relire toi-même, c'est, pour moi, c'est grave. Hein. Alors, on va essayer de voir comment Ancestris, lui, génère les choses. Et c'est là que je vais pouvoir vous faire voir la puissance de la norme GEDCOM, tellement il y a de possibilités de travail. Alors, j'espère que c'est ouvert comme il faut. Oui, apparemment. Voilà. Alors, c'est ma présentation hein, c'est ma méthode de travail. Moi, je travaille par anglais. Ancestry, c'est un logiciel par lequel vous pouvez travailler vraiment comme vous en avez envie. C'est-à-dire que l'écran que vous avez là, c'est le mien, mais vous, vous pouvez l'avoir différemment. Hein, lorsqu'on était allé à Poitiers pour la première fois dans un congrès de généalogie, on était le noyau dur, on était cinq, et quand on a regardé comment on travaillait, on s'est rendu compte qu'on avait cinq façons différentes d'utiliser le logiciel, alors que c'est un même produit, mais on avait cinq façons de travailler différemment pour arriver au même résultat. Hein ? Donc, alors, un événement qui n'est pas dans nos fichiers, dans la norme GEDCOM, c'est quand même le service militaire. Les plus anciens d'entre vous l'ont connu, les plus jeunes, non. Mais bon, ça n'y est pas. Alors, c'est comme la communion solennelle, ben on crée un événement. Et on donne son type. Et vous allez voir, c'est très puissant. Alors, où est-ce qu'il est ? Il est là. Alors, sur Ancestris, un des avantages, c'est que lorsque vous cliquez sur l'arbre dynamique, toutes les autres fenêtres se mettent à la page de l'individu. Là, par exemple, l'arbre n'est probablement pas installé comme il faut. Descendre, oui, c'est Pierre-Marie, donc c'est pas bon. Voilà, c'est lui que j'ai besoin pour vous montrer comment. Alors, l'avantage dans cet esprit, c'est qu'il vous propose deux éditeurs que je qualifie de graphiques, hein, c'est-à-dire qui ressemble un petit peu à ce que fait Eredis, à ce que fait Geneatic. Il le fait autrement. Hein. Je vais vous en montrer un. Voilà. Vous voyez, j'ai changé d'individu et je suis sur l'individu. Hein. Alors ça, c'est une présentation. Je ne sais pas si c'est la plus simple. Que moi, je m'en sers très peu. Et voilà la deuxième présentation qui est différente. Alors là, c'est blanc bonnet blanc. Hein. C'est
c'est votre feeling hein, qui vous dit « moi, je vais utiliser celui-là plutôt que l'autre ». Et la force d'Ancestris, que là, aucun concurrent n'a, mis à part Genji, c'est l'éditeur Jetcom. C'est-à-dire que vous allez travailler directement dans le Jetcom. Ancestris, par exemple, ne va pas vous créer un fichier Eredis, quelque chose. Non, nous, on travaille dans le Jetcom. Alors, Ancestris, c'est un logiciel qui travaille sur le kit droit. Alors, c'est un ordi qui est un peu ancien, donc voilà. On va ajouter une propriété. À l'endroit où j'ai cliqué, c'est-à-dire sur un dit, je ne peux ajouter que ces éléments-là. Je ne peux pas en ajouter d'autres. Vous voyez déjà que je peux en ajouter quand même pas mal. Hein ? Si j'ai rempli tous... Oui ? Pour un individu ou pour l'ensemble des individus ? Alors, cette opération est faisable pour tous les individus. Vous le refaire à chaque fois ou globalement ? Ah, bah oui. Ah, oui, à chaque fois. À chaque fois, bah oui, parce que les informations que vous avez, c'est pour chaque individu. Ce n'est pas pour la totalité des individus. Ah oui, à chaque individu, oui, parce que ça concerne l'individu. Hein. Oui. Et oui, ça ne concerne pas son voisin. Son voisin aura des informations différentes au point de vue du service militaire. Mais la rubrique. À la rubrique, oui, non, vous êtes obligé de le faire à chaque fois. Hein. Alors donc, on utilise. On peut. Faire pas mal de choses, déjà. Hein. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, hein, il n'y avait pas la communion solennelle, elle n'y est pas. Bon, ben, donc on passe par le tag event, événement qui est ici. On passe par là. Et pour le service militaire, c'est pareil, on passe par là. Hein, puisqu'il n'y a pas de tag spécifique. Parce que tous les autres sont prévus dans la main. Tous les autres sont prévus dans la norme. Hein, et à cet endroit-là, vous ne pouvez mettre que ça. Ancestris ne vous permettra pas de faire quelque chose qui n'est pas dans la norme. Ça, c'est recta. Hein. D'ailleurs, je vais changer, je vais aller sur un autre endroit. Là, je vais prendre... on va prendre la naissance, par exemple. Hein. J'aurais pu prendre autre chose, hein. C'est ça. Voilà. Même chose, clic droit. Ajouter une propriété directement. Et là, vous voyez que vous ne pouvez ajouter que ces types d'informations. Parce que les autres informations, elles sont déjà rentrées. Hein. Donc, vous ne pouvez ajouter que ça. Alors, le note qui est là, c'est une note individuelle. C'est-à-dire qui ne sera pas réutilisé par d'autres individus. Là, hein. Si vous vouliez rajouter une note qui puisse être utilisée par les autres, il faudrait descendre ici, ajouter un média, une note ou une source. Et à ce moment-là, on rajoute une note. Et là, cette note-là, elle serait reliée. Je disais tout à l'heure, le service militaire, on va descendre, on va le voir. Alors, les OQ, c'est les occupations, hein, c'est les métiers. Hein. Donc, quelquefois, il faut penser aussi, l'abréviation, elle est américaine, l'abréviation, elle n'est pas française. Hein. Donc, faut y penser. Même si nous, on a fait un effort de traduction. Ça peut être métier comme entreprise. Pardon. Une
ça peut être un métier comme la mention retraité. Retraité, il y a un tag spécifique. Ah bon, oui, c'est rôti. Donc, oui, c'est ça que je voulais faire, voilà. Donc, des métiers, il y en a autant comme on en veut. Bon, il y a une description. Alors, il me semble que là, j'ai pris celle du retour de mobilisation de la guerre 39-45. Alors, bon, ben, il a été mobilisé au moment de la guerre 39-45. Vous voyez, tout de suite, ça répond un peu à votre question. Les éléments qui vont être saisis derrière lui sont quasiment individuels. Ils ne sont pas, ils sont pas collectifs. Mais vous n'allez pas pouvoir créer le service militaire pour tout le monde. Non, vous allez le créer à chaque fois. Bon, c'est aussi plus rationnel, parce que si on créait pour tout le monde, on aurait des tags inutilisés. Donc, ça alourdit le fichier pour rien du tout. Donc là, c'est la partie mobilisation. Après, c'est la partie prisonnier. Vous avez vu peut-être qu'il y a une note. Cette note, elle est individuelle. C'est des choses que je ne pouvais pas mettre dans les tags prévus par la norme, donc c'est succinct, quoi. Oui, il a touché un paquet de tabac, oui. Ça, bon, alors, prisonnier, beaucoup de documents, parce que j'ai fait des recherches pour les avoir. Et la fameuse conscription, le service militaire, qui apparaît là maintenant. Donc en général, si on a les informations, eh ben, on peut très bien les remplir normalement, sans souci. Bon, avec aujourd'hui les fiches matricules qui sont en ligne, je dirais que c'est facile de remplir. Enfin, c'est facile. Tout étant relatif. Disons qu'on a la possibilité de le faire assez simplement. Voilà. Alors là, j'ai une note, je ne sais plus ce que c'est. Ouais, bon, c'est une date. Bon. Elle n'a certainement plus rien à faire ici. Elle doit être prise ailleurs. Parce que 47, ouais, je ne vois pas. Et avec Ancestry, vous pouvez associer les individus entre eux. C'est-à-dire que si vous avez le parrain et la marraine du baptême, vous pouvez indiquer le parrain spécifiquement et la marraine spécifiquement. Pardon ? Il y a une tag pour ça ? Oui. Oui, c'est prévu. Hein, l'association est prévue. Témoin de mariage ou... Oui, c'est prévu. Oui, j'ai pris cet individu-là parce que c'est un qui est caractéristique. Bon, là, je n'ai pas son baptême. Si je voulais le rajouter... Alors, j'espère que ça ne va pas faire la blague qu'on a eue hier avec un utilisateur de Mac. Alors, chose qui existe dans la norme et que dans les autres logiciels, souvent, on le retrouve en notes. Dans la norme, vous pouvez avoir plusieurs noms. C'est prévu. Vous pouvez avoir plusieurs fois le tag name avec le given name et le surname. Vous pouvez en avoir plusieurs. Alors, ça peut permettre de mettre le surnom. Même si le surnom est prévu lui aussi avec son tag spécifique. Mais c'est possible. Sans problème. Pour des Espagnols, par exemple, qui ont le nom du père et de la mère. Pardon ? Pour
les Espagnols, par exemple, qui ont le nom du père et de la mère. Oui, par exemple, ça... Moi, je n'ai pas d'ascendant espagnol, donc je n'ai pas cet usage, mais oui, ça peut être un usage. Il suffit de... C'est comme dans tout, même dans vos logiciels classiques, vous commencez à travailler selon un axe et vous gardez cet axe. C'est pareil avec Ancestris, hein, avec n'importe quel autre logiciel. Vous commencez à travailler d'une certaine façon, vous devez vous y tenir. Sinon, votre fichier, il ressemblera à rien à un moment donné. Il faut toujours essayer de garder le cap. Alors, c'est vrai que quand on démarre, ben on fait énormément de bêtises. Et avec l'usage, l'ancienneté, ben on se dit, mince, c'est pas clair ce que j'ai fait, il faut reprendre. Hein. Alors, bon, quelquefois, ça vaut le coup de tout casser et de tout reprendre à zéro. Mais bon, ça, je ne le conseille pas. À partir d'un certain nombre d'individus, c'est pas simple à faire. Alors, oui, je voulais rajouter... Ah, j'ai déjà mis un THR. Bon, bah, je vais essayer de mettre un baptême. Là, je me mets là. Hop. Ajouter une propriété directement. Hop. Baptême. Bon, c'est mon fichier de. C'est un fichier qui n'est plus mis à jour du tout. Hein. Donc je le casse, je m'en fous. Voilà, et vous voyez qu'en bas, le baptême a été indiqué. Il y a directement à mettre la date. Le lieu. Et si on veut rajouter quelque chose à l'intérieur. Pardon ? Le nom du prêtre ? Oui, voilà. On peut rajouter. Alors, à rajouter une autre personne. Ajouter une personne d'une famille. Ajouter une personne associée. Témoin. Alors, le prêtre peut y être. Je vais le faire. Alors, il va me poser des questions avant. Est-ce que l'individu est déjà dans la généalogie ou pas? Alors là, bon, en l'occurrence, je vais dire non. Hein, mais sinon, j'aurais pu choisir un individu dans la généalogie. J'aurais pu aller chercher. Hein, paf. Alors, évidemment, il va faire un contrôle de validité de l'information. Hein. Donc là, en l'occurrence, je vais le laisser en nouveau... Nouvel individu. Voilà. Toc. Et on a la relation qui apparaît. Voilà. Et là, on choisit l'élément qui nous intéresse. On peut rentrer directement. Hein. Par exemple, directement, on rentre, puis OK. Voilà. Voilà. Alors, je sais que je suis passé très vite sur la grammaire Jetcom, mais bon, si vous avez des questions, je ne sais pas quel temps il reste. Pardon ? Il reste 25 minutes, donc ça va, vous allez pouvoir poser vos questions un peu plus facilement. Hein. Oui ? Attendez, le micro arrive. Voilà. Voilà, c'est le cas d'un cousin très éloigné dont j'ai découvert l'existence. Oui. En faisant une généalogie descendante, mais oui. Dans la famille, on ne nous en avait jamais parlé. Ça, c'est ordinaire. Oui, si ce n'est que cette personne est née vers 1920, dans les années 1920. Oui. Elle a été voir un juge.
Oui. Qui, après examen de son état, donc c'était, elle se prénommait Yvette. Oui. Elle a été voir un juge qui, après examen de son état civil, oui, a déclaré que désormais, elle s'appellerait, il s'appellerait Yves. Oui, alors ça, c'est... Comment est-ce que l'on saisit ça? Alors là, il s'est marié là, avec une femme. Il y a deux solutions qui peuvent se présenter. Soit la création d'un nouveau name, avec une note qui explique le pourquoi ce nouveau name. Et la deuxième solution, c'est un événement, parce qu'il y a le jugement. Oui. Donc le jugement est un événement en lui-même. Donc il y a les deux, il y a deux solutions qui sont aussi bonnes l'une que l'autre. Hein, le cas, je recrée un nouveau nom, un nouveau patronyme. Donc je le fais des, je et je mets des, et je mets des, le jugement en note. Et je la fais décéder. Ah ben oui, si elle est décédée. Non, on la fait pas décéder. Hein. On la fait pas décéder, on la fait décéder lorsqu'elle décède hein, normalement. Lorsque il décède. Oui. Oui, mais, ah oui, sur les papiers, c'était marqué Yvette, alors que c'est un homme. Oui, d'accord. Non, on ne fait pas le décès. Hein. On ne fait pas de décès. Hein. Non, parce qu'il y a eu un changement de sexe lorsqu'elle avait une soixantaine d'années. Ah oui, d'accord. Ben, après le décès oui, de alors son ça, père. C'est. Là, il faut utiliser les événements, là. Comment vous pourriez me montrer comment vous faites ça avec. Oui. On va essayer. Alors. Je vais retourner. Indy, tiens, comment ça se fait? Ah oui. On est toujours. Ouais. Alors bon, lundi. On va essayer là. Indy. Hop là, qu'est-ce qu'il me fait? Voilà. C'est un vieux tromblon, hein, alors c'est pas toujours simple. Alors là, je recrée un nouveau name. Hop là, il s'est barré. Voilà, le deuxième name est là. Alors sexe, on laissera inconnu. Ah, non, c'est pas le cas. Oui, mais. Non, mais c'est pas le cas. Donc, Yvette est née en 1928, par là. Oui. Et ensuite, elle est devenue Yves à partir de 1972. Oui, mais alors, a priori, je ne peux pas mettre deux fois le sexe. Je vais vérifier, mais a priori, je ne peux pas mettre deux fois le sexe. Donc, ça, c'est un cas. Résident, retraite, non. Je ne peux pas mettre deux fois le sexe. Ça, c'est les cas médicaux qui sont vraiment hors normes. Bah oui, mais... Oui, ils existent, c'est bien, je suis d'accord avec vous, mais là, c'est un cas vraiment spécifique. Hein. À mon avis, il faut passer par la création d'un nouveau nom. Ben, ils gardent le même nom. Ah oui, ils gardent les deux noms. Non, le nom est le même. Oui, oui. Jusqu'à une certaine date, le prénom était Yvette. Voilà. Puis ensuite, c'est devenu... Mais voilà. Dans le name, je prends le premier. Dans le name, vous avez le prénom qui apparaît. On va essayer de le remplir comme ça. C'est très là. Il y a d'autres qui ont peut-être des questions à poser. Oui, non, mais toc. Yvette. Il y a deux noms et il n'y a qu'un sexe. Quoi. Il n'y a que le sexe qu'il faudra laisser inconnu. Parce qu'à l'origine... Pardon. De façon idéale, comment on devrait le représenter, en fait? Ben, il faudrait qu'on puisse avoir deux fois le tag sexe.
Ou alors, il faudrait pouvoir mettre des dates avec, des choses comme ça, une période de temps. La solution idéale serait de mettre le sexe sous name. Voilà. Okay. Ce serait l'idéal. Oui. Okay. Mais sexe, normalement, on ne le change pas. Donc, ça devient de plus en plus courant de nos jours. C'est bien, là, le cas est assez spécial. Là, je reconnais. Oui, mais comme ça devient de plus en plus courant de nos jours, il y a peut-être un intérêt à... Oui, mais bon, je reviens à ce que j'ai dit au départ. La norme, elle a été faite par les Mormons. Et dans un contexte américain, il n'a pas été fait dans le contexte d'aujourd'hui. Il aurait été fait dans le contexte d'aujourd'hui. Je pense qu'ils auraient trouvé une solution. Est-ce qu'on ne peut pas créer un event et dans cet event mettre un nom et un sexe? Si. Et bien voilà. Dans Even, on met ce qu'on veut. Et l'Event, on met changement de sexe et on met le nom et le sexe, le nouveau sexe. Oui. C'est une solution. Parce que le sexe, on ne pourra pas le changer. Donc, il faudra mieux, à la rigueur, le changer et le mettre en inconnu. Comme ça, ça laisse libre interprétation. Non, mais pour l'individu, on met son nom initial. Avec son sexe initial, et pour ce même individu, on crée un event avec un nouveau nom et un nouveau sexe. Voilà, Il y a une fille qui se marie avec ce nouveau sexe. Voilà, mais dans l'event. Sinon, c'est incohérent. Oui, alors là, on va voir pour le deuxième. Là, ça y est, là, j'ai introduit les. Tac. Alors. J'aimerais bien que tu me redonnes la main proprement, là, s'il te plaît. Le logiciel, il censure pas les mariages de personnes du même sexe. Pardon ? Est-ce que le logiciel, il censure les mariages entre personnes du même sexe ? C'est possible aussi. C'est possible aussi, mais dans un premier temps, t'es obligé de... Je sais plus, il y a une manip à faire, hein, mais on le prévoit. Ça a été prévu. Est-ce qu'il ne va pas le signaler comme une erreur, quoi ? Ah non, il ne le signale pas comme une erreur après. Hein. Non. Alors là, toc. Place à sauve. Il ne veut pas me donner. C'est con. Voilà, je dois être sur le deuxième nom. Alors, toc, Trésor. Toc. Hop. Bim. On entre. OK. Et alors là, faudrait que... Alors là, je vais être obligé de le faire sur le premier, mais on le ferait sur le second, hein, normalement. Hein. Là. Hop. Ajouter une propriété directement. Et on ajouterait une note à cet endroit-là. Qui nous dirait changement de sexe. Voilà. Bon. Par contre, dans la note, il faudrait ajouter la date, parce que là, il n'y aurait pas le choix. Hein, mais voilà. Sinon, par le biais du système Evan, on va le voir aussi, Evan. Propriété directement, événement. Alors, on a la date directement, donc là, on pourrait mettre directement la date, et là, dans le champ libre, pardon. Si, on peut, mais là, j'ai mis directement. Changement de sexe dans le type d'événement. Oui. Directement. Non, mais pour mettre le nom. Voilà, changement de sexe, on a la date. On peut rajouter
une note. Qu'est-ce qu'on peut rajouter ? Propriété directement, hop, une note. Alors là, c'est bien une note individuelle, là. Hop. On rentre. Désormais. Hop, et on valide. J'avoue que c'est un cas que je n'avais pas encore rencontré. Mais bon, voilà, il y a deux solutions qui existent et qui sont conformes à la norme. Hein? Donc, ça peut se faire. Je me rappelle, il n'y a pas... Pardon ? Collègue de travail qui était un homme et qui est devenu une femme. Donc, oui, donc il n'y aura pas 50 solutions. Tant que les Mormons ne feront pas évoluer la norme, ce qui ne semble pas du tout être dans leur politique, hein, la norme actuelle, elle a un certain temps, là déjà, donc elle ne va pas vraiment bouger. Faut la forquer. Oui, mais si. Enfin, bon, c'est les Américains. Il faut déjà que les constructeurs de logiciels américains acceptent le changement de la norme. Et à ce moment-là, les autres le feront plus facilement. Alors, peut-être que justement l'inverse, si il y a 10 logiciels qui se mettent d'accord et qui disent « nous, on veut que ça soit fait ». Alors, il y a la possibilité, c'est de rajouter un tag privé. On peut rajouter un tag qu'on définit nous-mêmes. Hein. Ça, c'est tout à fait possible. Hein. Comment est-ce que ce sera pris en compte, par exemple, si je transfère mon jet.com à quelqu'un d'autre, comment dans son logiciel, est-ce Alors, que ça va être pris en compte ? Tel que moi, là, je vous le propose, ce sera pris correctement. Par contre, si on utilise le tag personnalisé, lui, il ne sera pas pris en compte. Tout dépend des logiciels. Donc c'est pour ça. Pardon ? Tout dépend du logiciel qui importe. Oui, mais bon, vaut mieux partir du principe que c'est perdu. Un tag personnel, vaut mieux qu'on y dirait qu'il est perdu. Hein. Donc, pardon ? Parce qu'il est hors norme. Si, il est dans la norme. Oui, voilà, parce que il est. Voilà, il ne sera pas un logiciel qui lit strictement la norme. Le tag privé, il ne sera pas pris en compte. Hein. Ça, vaut mieux partir de ce principe-là, que c'est une information qui sera perdue. Vaut mieux. Il y a des cas plus simples et plus anciens, c'est-à-dire des erreurs, des fois, la déclaration de naissance qui sont rectifiées sur le tag. Ah bah oui, bah ça... Ça arrive. Ben là, on le balance, on rectifie le name principal et on ajoute en note était dénommé un tel à la naissance. Ça, c'est tout à fait possible. Hein. Pas... si jamais, par exemple, vous vous amusez à normaliser ça dans un organisme de normalisation et ensuite pour pouvoir envoyer des changements à la norme, est-ce que ce serait dans du possible ou pas ? Alors, il faut proposer ça aux Mormons. Non, pas aux Mormons, à l'ISO, à l'ECMA, enfin, n'importe quel organisme de normes pour passer outre les Mormons, pour puis avoir à proposer ça aux Mormons. Ce serait... La norme, si tu veux, elle est c'est une comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une norme de fait. Oui, ben justement. Ce n'est pas une norme marquée dans le marbre. Justement. Ce n'est pas une norme au sens de l'ISO 9000, oui, ben justement. Hein, si jamais vous voulez changer ce que font les Mormons sans le consentement Alors, des Mormons, un moyen, c'est de le faire ISO. Alors, je pense qu'il faudrait beaucoup d'investissements financiers. Ah, mince. Et là, ils sont tellement près de leurs sous, les concepteurs de logiciels classiques, non, passerait pas. Quoi. Le problème, c'est plus trouver un organisme de normalisation qui a des conditions correctes et essayer de travailler avec eux pour envoyer la norme, pour être une norme, pour faire en sorte qu'ensuite les logiciels l'implémentent. Ça pourrait se faire, mais ça demanderait énormément de temps. Ok.
Ça demanderait énormément de temps aussi, mais bon, est-ce que pour un produit de niche, ça vaut le coup ? Je sais pas, ça dépend combien de gens se mettent dessus à partager le boulot aussi. C'est bien, mais bon, là... Alors, il y a une autre solution, hein, c'est le procès. C'est le procès. Il suffit qu'il y ait quelqu'un qui les poursuive pour dire il y a discrimination parce que vous voulez pas accepter le changement de sexe. Voilà. Oui, alors là. Les Américains, ils aiment bien les procès. Alors le problème, c'est que c'est encore une question de sous. Voilà, c'est encore une question de sous. Hein. C'est pas. D'accord. Alors, j'avais deux questions. Oui. C'est pas sur le changement de sexe. La première, c'est par rapport à votre titre. Vous dites, est-ce que c'est une norme obsolète ou pas ? Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre comme norme que ça ? Il n'y en a pas. Ouais, donc la question obsolète ou pas, ça ne se pose pas vraiment, puisqu'il n'y a pas de remplaçant. C'est bien pour ça que j'ai dit, c'est une norme de fait. Ouais. Il a été question de faire... C'est par rapport au titre de votre conférence qui est un peu étrange. Dis donc, il a été question de faire une norme 6 qui aurait été basée sur le XML. Et ils se sont rendu compte que c'était une véritable usine à gaz. Le XML, c'est du texte. C'est du texte, donc ça ne changerait rien par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Le XML, c'est bien, mais ça ne répond pas à tous les besoins. Bon, si on veut, la norme JETCOM telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est une forme de XML. Vous voulez dire c'est ce qu'on peut faire de mieux, fichier est ordonné. Le fichier est ordonné. Là, bon, moi, je vous l'ai montré un petit peu dans le logiciel, mais sinon, en vrai texte, vous avez 0, l'individu, 1, premier niveau de taille, 2, on peut aller jusqu'à 8 niveaux de sous-taille. Alors, bon, il est ordonné. Et quand on fait référence à un autre individu, on fait appel à sa référence. On ne fait pas appel vraiment à l'individu, on fait appel à sa référence. Oui. Beaucoup de logiciels font ça. Voilà, oui, donc là on n'a rien inventé. Hein. C'est de la logique. C'est de la logique. Il ne faut pas... Ouais. Voilà. Et ma deuxième question, c'était donc si on fait un JETCOM avec Ancestry, ce qui sera bien parfait, mais est-ce qu'il va être relu par les autres logiciels comme Redis ? Alors, les autres logiciels, justement, eux, ils ne vont pas forcément le relire correctement parce que j'ai pris l'exemple tout à l'heure de Redis, on lui avait demandé de faire un JETCOM et puis de relire son propre JETCOM. Il a foiré. Bon, je dis bien, je ne sais pas si c'est toujours le cas. Hein. Donc, je reste prudent. Mais c'était il y a quelques années quand même. Hein. Ce n'est pas si vieux que ça. Hein. C'était il y a 5-6 ans. Hein. Donc, différentes sorties. Hein. Voilà, j'ai un bug sur la machine. Hein. C'est la machine qui déconne. Hein. Ce n'est pas le logiciel, je vous rassure. Non, mais je vois pas le type d'arbre possible, là. Il y a l'arbre, l'ascendance de voilà, génération. Voilà, les sosas, ensuite descendant, je suppose. Mais je l'ai pas vu. Éventail des ancêtres directs. Mais ça, alors, c'est... Sur 5 générations aussi. Les lieux dans l'histoire de l'arbre. Pyramide des âges. Et là, celui qui vous intéresse, c'est mixte, ça. Pour pouvoir perdre d'accord. L'impression après, voilà. Il y a celui-là. Alors, j'ai pas vu le. Derrière, vous pouvez le sortir en PDF ou en SVG. C'est-à-dire que derrière, vous le communiquez directement à votre imprimeur et alors, sans problème. J'ai pas vu le menu pour y accéder. Pardon. Le menu pour y accéder à ces choix. Alors c'est vu. Ah d'accord. Vu, liste des rapports. Le troisième. Hein, c'est vu. D'accord. Voilà. Liste des rapports. On tombe sur ce menu. Alors là, qui est un peu tronqué. C'est bien dommage. Hein, et après, vous mettez les options.
Pour amplifier, vous cochez les cases. Les rubriques que l'on veut avoir dans les cases. Bas, vous avez le type de sortie. Vous choisissez ce que vous voulez. Alors, plus l'arbre est important, plus ça demandera de temps. Et la même chose derrière pour... Est-ce qu'on peut, une fois sorti, le modifier en faisant glisser les... Alors, en SVG, je vous réponds oui. D'accord. Ben alors là, ça dépasse mes compétences. Là, il faut déjà utiliser Inkscape, chose comme ça. Oui, je voulais pas savoir. C'est qui fait ce logiciel, Ancestris ? C'est vous ? Non. Deux personnes. Deux personnes. Derrière, il y a une association, mais l'association... non, c'est pas beaucoup. Hein. Pour sortir un logiciel de cette qualité, c'est pas évident. Derrière, il y a une association, mais qui est entre guillemets une coquille vide. Que lorsqu'on a voulu aller à Poitiers, on nous a imposé d'avoir une association. Alors, bon, nous, ça nous a foutu les boules, on a créé l'association en 15 jours pour pouvoir être dans les clous, pour pouvoir aller à Poitiers. Poitiers, c'était quoi ? Le congrès de la Fédération française de généalogie. Et pour le Havre, c'est pareil, il fallait être en association. Là, on aurait été... Bon, on n'a pas été... Et de toute façon, je me serais opposé. On n'a pas été en Corse, parce que, bon, beaucoup trop de frais. Hein. Là, je vais vous donner des flyers tout à l'heure. Je vais les faire refaire. C'est sur mes données personnelles. Hein. Il n'y a pas vraiment de financement derrière. Si vous utilisez Ancestris, je vous dis jamais de cotiser à l'association. Je vous dis toujours de vous inscrire à la liste de discussion. C'est la chose que je vous dis. Hein, ça y est? D'accord. OK. Bon. Donc, je vais vous donner les papiers, et puis vous allez voir. Oui, bah vas-y. Oui, une dernière question. Enfin, donc, moi, tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, je l'ai fait avec GeneWeb. Oui. Et je suppose que sous Ancestris, il existe un petit peu la même chose au niveau des imports-exports de Jetcom. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut faire des imports-exports partiels du fichier à partir d'une certaine partie de l'arbre. Alors, ce que tu vas faire... importer une certaine partie d'un arbre. Oui. Ce que tu vas faire, ça, c'est au niveau de l'export que ça va se produire. C'est pas au niveau de l'import. L'import, lui, il va prendre tout. Alors, ce que tu fais ton export. Oui. Tu récupères ton logiciel. Tu ouvres Ancestris et tu lui dis, va chercher tel fichier. OK. Ancestris, ce qu'il va faire, il va commencer par vérifier que le fichier est propre. Ouais. Alors bon, de GeneWeb, il sera propre, parce qu'on les a même fait plier. Hein. On les a fait ? On a fait plier GeneAnet. Ah. On les a fait plier sur un élément de la norme qui était mal interprété. On les a fait plier. Donc... Alors, Ancestris, vous allez le télécharger